Ok, eh bien bonjour à tous, c'est Nebes, on va essayer de prendre l'avion. Oh bah je l'ai eu, tiens, pour une fois. Ça fait 4 ou 5 parties à la suite que je n'arrive pas à l'avoir, et là pour une fois je l'ai, bon, c'est super. Bon, ça ne va pas être évident, je commente en live une petite vidéo comme ça. Par envie, simplement, tout simplement. Où est l'avion ennemi? Est-ce qu'il a décollé? Il a décollé, oula, il est très loin là-bas. Pourquoi? Tout simplement car ça fait déjà 2-3 semaines que vous n'avez pas eu de Battlefield sur ma chaîne. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Bon, j'allais dire certains m'ont fait la remarque. En fait, il n'y en a qu'une personne qui m'a dit que mon père, ça faisait un sacré bout de temps qu'il n'y avait pas eu de... Oh putain, je suis tourné. De vidéo BF. Mais c'est vrai que c'est carrément le cas. Je me prends, on va dire, à des petites vacances, des vacances où je fais pas grand chose, il fait très chaud. Pas enfin, où je fais pas grand chose, c'est une façon de parler dans le sens où, mine de rien, il y a énormément de vidéos qui sont en projet, en cours, en editing. Ceux qui suivent régulièrement mes lives sont au courant. Mais voilà, je tenais quand même à faire une petite vidéo en live avec vous, tout simplement, histoire de, ben, de vous expliquer déjà ce qui se passe et puis de faire une nouvelle vidéo quand même pour vous donner de vous donner de mes nouvelles. J'avoue que j'ai toujours autant de mal à commenter en live en même temps que en même temps que je joue. Change d'équipe pour tuer des messes. Et je record, voilà, vu que je suis en live, hein, je réponds en même temps au chat car il y a comme sur beaucoup de parties. Certains d'entre vous qui me rejoignent sur les serveurs. Et je touche, il doit être presque mort là. Et je l'ai eu. Allez, ça c'est fait. Petit pion qui courait au sol à la mitrailleuse. Ah, les avions. Moi d'ailleurs, j'espère, en parlant d'avion, vu que je suis en avion, hein, c'est le moment d'en parler. Avec Armored Kill, j'espère vraiment qu'ils vont... Attendez, est-ce qu'il y a un avion juste derrière moi? On met les leurs. J'ai mis les leurs, ça quand même. Regardez-moi ça! J'ai mis les leurs. Le premier missile a touché. Bon, je vais mettre juste après si tu veux. Bah, le deuxième, il n'aurait pas censé toucher. Là, il me faut une heure pour atterrir. Non, saute pas. Ah, oh, voilà. Bref, bug sur bug, hein. Parce que, bon, pour info, j'avais mis les leurs. Le premier missile, je veux bien qu'il touche, c'était un peu trop long. Alors le deuxième, il n'y avait aucune raison que le deuxième missile me touche, hein. Il était bien après que j'ai posé les leurs. Et après, voilà, je vais en hors zone, il pose des pneus, enfin il sort les roues, et du coup il devient incontrôlable. On peut plus se baisser. Et du coup, bah, quand je me pose, moi j'avais encore le temps de réparer. Mais non, car je sors en mode siège catapulte, alors que j'ai déjà posé au sol, enfin bref. Voilà, un exemple de choses que j'apprécie pas trop. Dans le gameplay des avions, c'est les petits bugs comme ça qui font que... Alors, je vais vite me planquer. Bim, le tank! Allez, presque mort. Allez, bim. J'aurais bien aimé réanimer mon allié, mais c'est un ingénieur, ouais, donc je pourrais pas le réanimer. Ah, super, le medic a spawn sur moi. J'ai une super escouade. Vraiment, ça fait quelques parties que je joue avec eux. Par hasard, vraiment par hasard, ils me connaissent. D'ailleurs, je leur fais une petite dédicace au passage. Mais ils jouent super bien. C'est vraiment excellent, quoi. Je m'éclate, mais comme un fou. Et je fais des super scores depuis avant. Bon, même si je suis 4-2-1, c'est un petit peu plat. Mais sinon, ouais, je m'éclate bien. Ils sont super teamplay. Et c'est un véritable bonheur. Bon. Allez, Rémi, faut qu'il reste en vie. C'est le dernier. Ouais, non. Je sais pas comment il a fait ça. Il nous a tous tués. C'est un cheater, quoi! Ah bah tiens, à propos, je vais vous parler de... Oula, y a personne dans la base pour spawn plus près? Aucune escouade de libre qui serait peut-être un tout petit peu plus proche? Ouais, non, c'est du suicide de faire tout ce chemin à pied. On va attendre qu'un véhicule respawn. Et j'en profite pour vous parler à propos de mon reset, ouais, tout simplement. Zut, il a mis au milieu de spawn. Tant pis, il a eu, c'est tant mieux pour lui. Vous avez été très nombreux à me poser la question, etc. Alors, je vais vous expliquer. Donc, déjà pour résumer, il faut savoir que je suis niveau combien? Je suis niveau 22. Ça monte très vite, hein. Je suis niveau 22.
Pourquoi, comment? Tout simplement car j'étais reset, j'étais remis à zéro. Pourquoi? Alors déjà, son émine, attends, son émine, tu fasses son émine. Pourquoi ça pète pas? Alors pourquoi c'est difficile à expliquer. J'étais reset le 13. Je ne savais pas pourquoi. J'ai demandé aux administrateurs du Battlelog, enfin, modérateurs du Battlelog, tout ça. Et eux ne savaient pas la raison exacte. Ils m'ont demandé si je n'avais pas reçu un mail, et je n'avais pas reçu de mail. Donc pour l'instant, pas de nouvelles, mais bon, c'est juste un bug, peut-être, je vais attendre. Beaucoup d'abonnés se sont excités en disant que c'était lamentable, etc. Moi, je me suis dit, bon, on attend, c'est peut-être juste un petit bug, et ça reviendra plus tard. Il se trouve, j'ai demandé au modérateur Battlelog, et à ce qui paraît, ce n'était pas du tout un bug, mais c'était bien un réel reset, à zéro. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message au support, normal, comme tout mon joueur. Non, mais monsieur, monsieur, comment ça se fait que j'étais remis à zéro? Ils m'ont dit que j'allais recevoir une réponse entre 7 et 10 jours. Voilà. Chose étant faite, par la suite, donc 3 jours après, le 16, il me semble, oui, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde, les gars, je suis désolé. Le 16, j'ai reçu un message m'indiquant que j'avais été reset. Donc 3 jours après, je reçois le message comme que je suis reset, hein, le mail normal, la procédure normale qui me dit vous avez été reset parce que vous n'avez pas respecté les conditions d'utilisation de machin, charte, etc. Soulignant les deux paragraphes suivants. Utilisation de cheats, à savoir aimbot et ou wallhack ou d'autres cheats interdits. Ok, lol. Et voilà. Et deuxième chose qui a été soulignée, c'était utilisation, du stat spotting. Donc stat spotting, machin, tout ce qui va avec. Oui, attends qu'en face de moi. Est-ce qu'il est ingénieur, j'espère. Parce que là, je vais avoir besoin de ses services pour neutraliser, on prend un petit coup. Aïe 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 aïe. Oh punaise, le bordel qu'il y avait. Oh, désolé. Donc oui, donc il y avait un paragraphe qui disait que quoi j'utilisais un aimbot ou un cheat, peu importe, et que j'ai fait du stat spotting. Alors, comme vous le savez tous, bien évidemment, je n'ai jamais cheaté sur BF3 et je n'ai jamais cheaté, point barre, quoi, c'est pas compliqué à comprendre. Vous le savez. Putain, oh là là là. On s'est fait exploser de partout, ils sont super nombreux sur objectif, c'est très difficile. Et pour le stat spotting, comme vous le savez aussi, je l'avais expliqué dans ma vidéo où je vous parle des statistiques, il y a longtemps, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Stun sur Canals, il me semble. Et quand j'ai réalisé ce stunt, à l'époque, c'était à l'époque, hein, c'était au mois de décembre, il me semble, quelque chose comme ça, les serveurs Unrank n'existaient pas. Ça n'existait pas, il n'y en avait aucun. Du coup, moi et Celeborn et aussi d'autres membres de la team avons passé plusieurs heures et avons fait plusieurs centaines et des centaines de suicides pour réaliser cette vidéo. Il se trouve qu'à la suite de ça, eh bien, on a fait quelques stats padding pour récupérer notre ratio. Et encore, c'était très très loin d'être le cas, on était encore bien en dessous de nos stats initiales. Comment dire, on a fait 200 suicides. Pour 100 de tuer de stat spotting, on va dire. Dans l'idée. On était encore bien en dessous de nos statistiques initiales. Et, comme dit, il n'y avait aucun serveur Unrank, hein, on n'avait pas le choix. Donc voilà pourquoi on a fait ça. Mais c'était, comme dit, à l'époque, au mois de décembre, janvier, enfin, je dis à peu de choses près, hein, j'ai plus de date exacte. En tout cas, c'était il y a très très longtemps. Et on vient de perdre, c'est lamentable. Je me dis, je vais filmer parce que je viens de faire 5 victoires à la suite. Avec à chaque fois des ratios de 13, de 20. Et là, je suis 10-5 et on perd. C'est vraiment ballot. Mais c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et donc voilà, je trouvais ça assez hallucinant. Donc la seule raison presque valable, c'était effectivement le Satspad qui date d'il y a Petaochenok, hein, il y a 8 mois. Et donc je trouve ça quand même assez lamentable. Donc j'attends toujours, hein, la réponse aux 7 à 10 jours. On est au 5e ou 6e jour.
Donc je ne devrais pas tarder à avoir la réponse. Évidemment, peut-être, est-ce que je récupère mes statistiques ou pas, j'en sais rien. Je demanderai à Cusa aussi, je ne vais pas le déranger vu qu'il était à la Gamescom, tout ça. Donc je ne vais pas encore demander s'il pouvait faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est assez lamentable quand même de se faire reset pour cheater et pour saspa de 8 mois après, ça fait bizarre. Donc bon. Alors bien évidemment, comme vous en doutez, j'étais largement dégoûté. Et voilà quoi. C'est un peu dégoûté, voilà, tout simplement. Bah écoutez, j'ai envie de continuer quand même, parce que là, j'ai pas envie de rester sur une défaite, tout simplement. J'ai encore plein de choses à vous parler, hein, mais ça, j'aimerais aussi vous parler d'Armor Kill dans ma vidéo analyse du trailer de machin. Je sais pas encore si je vais la faire, il y a des chances. Alors, il y a un petit avion là-bas. C'est vrai que mes attentes, enfin, à en voir les trailers, ça donne envie. Mais quand même, dans la réalité, j'attends de voir ce que ça va donner. Oh punaise, on a eu chaud. Surtout pour le gameplay avion. Remonte, 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 remonte. Dans le sens où... Bim! Dans tes dents. Ou le gameplay avion, moi je trouve décevant sur BF, hein, comme vous le savez. Dans le sens où, bon là, mis à part contre des joueurs qui sont pas très expérimentés, comme vous avez pu le voir. Mais sinon c'est tout de suite, c'est je tourne en rond, tu tournes en rond, je tourne en rond, tu tournes en rond. Donc c'est très répétitif en avion, je trouvais ça un peu dommage. Alors certains vont, je suis sûr que certains vont me troller en me disant « Ah, tu trouves ça répétitif? Mais c'est qui joue M16 sur Métro ?» Non mais, aucune partie n'est pareille. On était chaud, hein. Et donc voilà, je trouve ça un peu dommage, et j'espère qu'avec Armored Kill, avec, on a pu constater la map avec la neige, où il y a des sacrées montagnes et tout, j'espère vraiment que qu'il y aura moyen d'avoir des vrais duels en jet, où on passe dans les vallées, ou ce genre de choses. Ce que j'espérais à l'époque sur Dame Avant de Pique, mais c'était vrai qu'il n'avait que des hélicoptères, et qu'en plus la montagne n'est-il que quelques petites secondes, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, on est passé vraiment très short, et il y a un avion qui me colle aux fesses. Donc j'espère vraiment qu'avec Armored Kill et la montagne, les avions, ainsi que le C-130, il y aura un nouvel intérêt à jouer en avion. Donc voilà, je me dis ça peut vraiment être sympa. Neutraliser du premier coup. Ah, genre, c'est Ligla qui m'a tué. Lol, assistance 95 quoi. Ah, c'est assez énorme quand même. Donc voilà mes espérances. Pour l'instant, j'en sais rien. Je préfère pas parler trop vite. J'espère que ça sera bien, mais bon, on sait jamais, hein. Ouais. Voilà, me faire le pilote de la Jeep comme ça, c'est juste magnifique. Après, pareil pour le gameplay hélicoptère, hein, ça sera vachement sympa. La C-130, tout le monde était plus ou moins déçu, parce que voilà, la C-130 s'attendait à un bel avion qu'on puisse piloter et tout. La C-130 ne sera pas pilotable, la C-130 n'aura que deux places, ce genre de choses, donc c'est vrai que ça répond pas aux attentes de tout le monde. Hein, comme vous savez, ah, l'avion déjà respawn. C'est qui? Ok. On met les leurres maintenant, donc là j'ai mis les leurres. Je vais essayer de me dépatouiller avec un petit rasmote. Parce que sur le radar, j'ai vu l'avion, mais apparemment, il m'a pas vu. Bon, on va se barrer très loin le temps de charger les leurres. Donc oui, apparemment, il y aura que deux places pour tirer. On pourra pas le piloter. Il va tourner autour d'un drapeau. Ah là là, si... Ça pourra être très bien. Comme ça pourra... Et à l'avion là-bas. Comme ça pourra ne pas être très très bien. Donc, wait and see. J'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ça peut être très bien comme ça peut être décevant, donc on verra. Allez, 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 allez. Hop là, on l'a cramé. En tout cas, ouais, comme dit, je ne vais pas me prononcer trop vite, on verra bien. Mais les images, les premières images sont juste magnifiques, hein, avec les maps, le retour des maps neige, les maps, la map de nuit qui fait un peu penser à... Comment elle s'appelle? On est juste, toi. Bim! Qui fait penser à Ben Nelson sur Bad Company 2, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a les mêmes sympas, les mêmes sapins. Jour du mal, hein, je vous le dis à chaque fois. La même nuit, la même lune, le même chemin de fer et tout et tout. Je passe bien bas, hein, je me fais peur à chaque fois. Donc voilà, ça pourrait être bien sympathique. Alors voilà, là l'avion qui décolle, est-ce que je laisse me poursuivre, sachant qu'après il risque de me tuer, ou est-ce que je spawn kill?
C'est le dilemme, hein. Un malheureux dilemme que les bases sont beaucoup trop proches, je laisse un petit peu en vie. Je laissais faire un kill, tiens. Je suis gentil, c'est mon genre de monter. S'il fait un kill, je le laisse faire. Quand il essaie de me prendre à revers, alors je le tue direct. Bon, il a l'air d'essayer de vouloir me chercher, il est dehors le radar aérien. Bon, je vais le tuer. Et il arrête de tourner. Une petite map à Ben Nelson, ça peut être sympa, on verra. Parce que la nuit de Téhéran, je l'ai trouvé pas génial dans le sens où il fait pas vraiment nuit, quoi, j'ai envie de dire. Oh là. Ça, c'est plus ou moins dommage. Bon, c'est toujours sympathique. Map neige est nickel. Et du coup, j'ai envie de dire, il ne manque plus qu'une sorte de map. Bah, c'est les maps désert. Pas les maps désert, pardon. Les maps désert, on a partout. C'est les maps jungle. Ah bon, on n'a pas de map jungle. Ah, on dit que je suis un shooter. Ah, bah, c'est ballot en plus, je fais mon live, quoi. Donc voilà, c'est des mecs comme lui qui disent que je cheat, qui m'ont report, et c'est certainement à cause de ça que qu'à présent je suis bah j'étais remis à zéro. Voilà quoi. Et j'en ai bloqué sous le radar, très bien, super. Ouais, donc je disais, il manque les maps jungle. Moi, franchement, j'aimerais tellement voir une petite Valparaiso ou un petit Laguna Presa sur Battlefield 3. Ça serait vraiment excellent. Ah, il y a de nouveau l'avion qui me prend en chasse. Je lisais le chat, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. Coucou mon avion! Allez, zou. Donc ouais, c'est un truc qui me manque. En plus, ça pourrait être excellent avec le Frostbite 2. Ça pourrait vraiment être très très beau d'avoir une map jungle comme Valpa. Mais bon, on verra bien. J'ai horreur de ça parce que, en plus pour moi, quand on tourne en rond comme ça, vu que mon clavier ne gère pas plus de 6 touches et que je pilote le clavier, c'est toujours la galère. Car ça se bloque. Mais là, c'est bien parce qu'on a l'exemple parfait des combats qui sont lourdingues en avion. C'est-à-dire que voilà, les jeux tourneront et tu tourneront. Alors il y avait un technique des 3 d'être à 300 km/h pile, hein, comme vous avez pu le voir dans mon truc astuce d'époque. Mais ça reste assez ennuyant. Parce que c'est celui qui tourne le mieux qui gagne. Et allez, on fait le carrousel. Zut, zut, j'ai un peu perdu de distance. Ah non, c'est bon. Et voilà, c'est moi qui ai gagné. Je suis plus fort au carrousel. Bah, c'est ce que je trouve un peu dommage, hein, sur le gameplay des avions. Mais, comme dit, avec peut-être les montagnes et tout, il y aura peut-être moyen sur Armored Kill de, je sais pas, de partir en rasmote d'à travers. Ça va être sympa, je sais pas. Je rêve un petit peu peut-être aussi, hein, vous allez me dire, mais bon. Voilà, on verra bien. En attendant, bon, c'est toujours marrant, hein, de tirer sur les petits bonhommes qui courent, mais bon. Vous étiez probablement ban avant. Il croit pas si bien dire après mon reset. Donc voilà, il reste plus que 7 tickets. Bon, c'est une belle partie en avion, 12-0, c'est sympathique. Pas trop de difficultés sur cette partie. Ça remonte un peu le moral de celle d'avant où j'ai fait un pauvre petit ratio à 2 là. C'était un peu lamentable, mais bon. Écoutez. Dès que. Ah, il y a l'avion à redécoller, mais il n'en a pas eu assez, dis donc. Ouais, dès que la partie va terminer, j'ai plus grand chose à dire, hein, c'était juste histoire de vous donner un peu de mes nouvelles. Je vous souhaite aussi de très bonnes vacances. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Et là, il va dire que je cheat. Je l'ai eu pour le ticket final, il va dire que je suis un cheater, il m'a ragé comme un porc. Oh, je suis désolé pour lui, il faut mieux laisser tomber. Je sais, moi, il y a des joueurs, on a vu, ils me massacrent tout le temps comme lui. Enfin, comme moi, je vais massacrer et je pète un câble, comme ça m'arrive. Hein. Il y a un mec qui a 3000, 6000 kills en avion qui me tue sur place. Mais bon, en tout cas c'était une bien belle partie, comme ça vous avez un peu de mes nouvelles, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, il y a une petite vidéo en live. D'ailleurs si le concept vous plaît, en dehors des nombreux tutos que je peux vous proposer, un peu une vidéo un peu plus libérée on va dire, eh bien n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, tout simplement, hein, laisser un commentaire pour partager votre avis. Moi je vous dis bye bye et à la prochaine. C'est énorme, je vois toutes les textures en... tu sais les textures païennes, quand tu regardes de haut. C'est énorme! Les textures, c'est ces textures que t'as au premier spawn. Tu sais, les textures que tu vois quand t'es super haut en avion, les machins tout dégueulasses. C'est big et de moi. Je vais voir si c'est corrigé ou pas. Non, regarde, c'est des belles textures toutes foreuses. Ah, c'est énorme. My name, c'est Maroki. Un Wookie.
Le SKS est cheaté, mais il est vaillant. Mais il est vaillant.